C'était assez rude ce soir, difficile à se dessiner, un petit peu laborieux, on a envie de dire. Qu'est-ce que ils vous ont perturbé à quel niveau, c'est vrai ça? Je pense qu'on s'est perturbé tout seul. Je pense qu'on s'est perturbé tout seul ce soir. Mais bon, ouais, après, c'est match de reprise, c'est toujours pareil. En plus, avec le terrain bien gras, le ballon qui était mouillé, c'était compliqué d'envoyer un peu de jeu. Après, je pense qu'on n'est pas bien rentré dans le match. On n'a pas mis notre jeu en place. Bon, après, on est tombé sur quand même une belle équipe agressive en défense, tout ça, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Mais voilà, on retiendra la victoire. Quoi, c'est un manque de concentration? C'est venu de quoi? Non, 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 c'est pas un manque de concentration, mais je pense qu'on n'a pas mis les choses à l'endroit quoi ce soir. On a voulu envoyer du jeu avant de les prendre devant quoi dans l'axe. Alors qu'on aurait dû vraiment parce qu'on fait un bon molle. Il y en a franchement on n'a pas continué dessus. Après on a tout envoyé derrière et après on est sorti petit à petit du match, mais bon. Oui, parce que si vous parlez de l'essai que vous avez marqué, pourquoi pas avoir continué justement dans ce sens? Après, il y a des leaders de jeu, c'est eux qui décident. C'est pas nous devant, c'est pas un truc. Quoi. Voilà, après on suit le système. Ils se trompent, on se trompe ensemble. Voilà, il faut continuer. Bon, on a gagné ce soir. Hein. Après. L'amélie était un point positif. Ouais, la mêlée était un peu positif. Depuis un petit moment, même, je pense depuis le début de la saison. Heureusement, on compte sur ça. Après voilà les matchs compliqués comme ça, bon on peut s'appuyer dessus quoi, comme ce soir. Parfait. Merci.